Le blogueur Akaba vient d'annoncer la rupture entre Aya Nakamura et Niska. Le rappeur l'aurait frappé violemment au visage. Alors que tout semblait aller pour le mieux entre Aya Nakamura et Niska, le blogueur Akaba vient d'annoncer leur rupture. La chanteuse a quitté le rappeur après une violente dispute et de violents coups au visage. Aya Nakamura a quitté Niska, le rappeur l'aurait frappé au visage. L'information est sortie il y a quelques minutes sur Instagram. Aya Nakamura et Niska se sont séparés et on connaît désormais les raisons. Le couple aurait une violente dispute et le rappeur aurait frappé la chanteuse au visage. Le blogueur Akaba le balance tout en story sur Instagram. Dans sa première story, on découvre Niska et Aya Nakamura très proches et se faisant des bisous. Ils ont l'air très contents. Mais dans la story suivante, la chanteuse de Dja Dja a l'œil qui m'épouse. Elle aurait reçu plusieurs coups au visage de la part du rappeur. Selon les premières rumeurs, la jeune femme serait tombée enceinte et cela aurait mis le rappeur dans une colère noire. Il aurait alors pété les plombs et aurait frappé la rappeuse pour qu'elle avorte. Et d'après d'autres sources proches du couple, ce ne serait pas la première fois que le rappeur frappait la chanteuse. Et elle en aurait eu du mal de prendre des coups et aurait décidé de rompre. Pour l'instant, les deux artistes n'ont pas communiqué autour de cette histoire. Aya Nakamura et Niska, un couple rare dans le rap game. Avant cette histoire, tout semblait aller bien entre les deux artistes. Aya Nakamura et Niska vivaient leur histoire d'amour loin des médias. Ils profitaient de chaque minute passée ensemble. Et ils n'hésitaient pas à discuter de leurs projets respectifs pour ne sortir que des gros sons. Et jusqu'à présent, le succès a souri à tous les deux. C'était la première fois que deux artistes urbains qui cartonnent se mettaient en couple. Ils donnaient une belle vision de leur couple jusqu'à cette histoire.